Thank you.
Konbawa minasan. Ogenki desu ka? Bonsoir tout le monde, comment ça va? Je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat s'il vous plaît. Mina genki desu ka? Coucou tout le monde. Naruto Sasuke. Comment vous allez? Désolée, j'ai une tête de fatiguée aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Donc ne m'envoyez pas pour la tête que j'ai, d'accord? Naruto, Naruto, ok, parfait. Pas de lag, pas de retard avec le chat. Super. Coucou tout le monde. Bonsoir, qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Moi, je sais pas qui je suis. Qui suis-je? Konnichiwa, coucou tout le monde. Alors, il y a qui pour l'instant? Je vais dire coucou à tout le monde. Tant que tout le monde arrive. Coucou Mayeu, coucou S-Dream, coucou oh, Père Jacques, coucou Destiny, Japan Kanke, Hippolyte, coucou Hippolyte. Je vois pas qui tu es, c'est pas l'une des premières fois que tu viens. Il y a des pseudos, j'ai l'habitude, bah non, mais il y en a d'autres. Coucou Grim, coucou du coup Siroche, coucou No Name Idea, coucou Yukimi, coucou Neige. Coucou Gusto, mais comme t'es là, bon bah voilà. Coucou Tartil03, oh, toi pareil, je te connais pas. Ou très peu. La voix est fatiguée aussi, ouais non, je... Ah bah faut... quand il faut bosser. Hein. Genki desu ka? Chotto tsukaretan da kedo, je suis un peu fatiguée, mais ça va, ça va, ça va. Denis Chauffron, la paire. Gambatte yo. Je sais même pas si c'est de circonstance. Bah si, je peux, tu peux me dire gambatte pour que je puisse donner cours aujourd'hui, j'en ai besoin. Arigato, merci pour ton gambatte. Ja ganbarimasu. Oh, merci beaucoup, Kiki-san. Oh, sub de niveau 3, sub de niveau 3. Ouh, ouh. Je veux des clap, clap, clap dans le chat. Clap, clap, clap pour Kiki-san. Merci beaucoup pour le resub. Mon dieu, 9e mois d'abonnement. Oh, c'est énorme. Merci, merci. Des clac, clac, clac pour Kiki-san. Clap, clap, clap dans le chat. Merci. Voilà de quoi me redonner un peu d'énergie. C'est très gentil. Oh non. J'étais venue le dernier cours et ça m'a beaucoup plu. Ah, naruhodo, naruhodo. Oh, on veut des clap, clap, clap dans le chat. Des clap, clap, clap pour Kalidour. C'est le resub. Merci, Kalinour Sidem, 9e mois d'abonnement. Merci, les amis. Arigato gozaimasu, ne. On te clap, 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 dans les clap. Je suis en train de mettre des coups de... dans mon micro en même temps, c'est pas possible. désolé pour les bruits dans le micro. Vous êtes en forme, dis donc. Bon, quoi de neuf, les gens, sinon? Comment allez-vous depuis la dernière fois? Est-ce que vous avez bien appris vos adjectifs? Est-ce que vous avez, comment dire, révisé? Est-ce que vous avez, est-ce que vous savez maintenant conjuguer vos adjectifs ou il faut encore de l'entraînement? Dites-moi. Je suis désolée, je suivrai pas trop le cours aujourd'hui. C'est cuisine. Oh, t'inquiète pas, Kalinour, tu es excusée. Je te fais un mot et tout. T'inquiète. J'ai froid dans le plaid et trop chaud avec. Mais moi j'ai froid aux mains. Genre, venez réchauffer mes mains, j'ai trop froid. Ah, il a mal aux mains. Ah oui, bah en même temps, oui, il y a beaucoup de... Quand on fait des adjectifs, malheureusement,
On gratte pour les conjugaisons, pour les retenir et tout. Yukimi qui en veut aussi, Kalino. Coucou Rachel, comment tu vas? Konbawa. Un peu, mais j'avais une question, j'ai un petit doute. Oui, dis-moi Grim. Profitons du début du cours, le temps que tout le monde arrive. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai quelques cours de retard. Ah, t'inquiète pas, Nona Emilia, au moment où tu auras du temps, tu pourras rattraper tout et en rediff. Il faut que je mette sur la chaîne YouTube. Je vais le marquer sur ma to-do list, tiens, que de mettre les cours sur la chaîne YouTube. Hop. Pour ne pas les perdre. Ça serait ballot. Sachant qu'aujourd'hui, on va un peu réviser évidemment les adjectifs. Alors, c'est un cours pas très compliqué. Vous l'avez vu dans le titre. Hein. Oh! C'était quoi la chanson? Tchou tchou, le train de la hype. Tchou tchou, on veut des beats. Tchou tchou, on veut des Merci beaucoup, Gosto, pour le sub-gif. Hein. Du coup, Tartil, tu as droit à un petit shuriken maintenant. Waouh! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de train de la hype ici. Ah! Du coup, Polocom qui resub. Merci beaucoup. 4e mois consécutif. Merci les gens. Merci beaucoup. Oh mon dieu. J'ai un regain d'énergie grâce à vous. Là, vraiment, ma journée, elle m'a épuisée psychologiquement. Genre, enfin, j'ai fait tellement de trucs que mon cerveau il est un peu capoute. Mais là, ça y est, j'ai re de l'énergie. Ah, merci Gosto. Arigato. Yasashiine. Il est gentil, Gosto. Hein. Coucou Shania. Coucou. Donc, du coup, je reprends. Je disais, aujourd'hui, on va voir quelque chose de pas trop compliqué. C'est ce qu'on appelle les adverbes de degré et les mots interrogatifs qui sont, en fait, en lien très souvent avec les adjectifs. C'est pour ça que je fais cette leçon. C'est pour vous donner le temps d'apprendre comme il se doit les adjectifs, parce qu'il faut un peu de temps. Hein, c'est pas... Il y a des gens, ils y arrivent très facilement. Dans leur tête, ça rentre, hop, comme c'est des cases, boum, boum, c'est bon, c'est compris. Il y en a d'autres, ben, il faut pratiquer encore, donc je fais des leçons, je vais faire 3 leçons au total sur les adjectifs, sachant que la conjugaison c'était le premier, hein, celui de la semaine dernière. Là on va voir un peu plus donc les adverbes qui vont avec, ou des mots d'interrogation. Et la semaine prochaine, du coup, on va faire tout ce qui est superlatif, donc quelque chose est plus quelque chose que, etc. Et donc ces 3 leçons là, elles permettent de faire des phrases un peu plus compliquées en utilisant des adjectifs, et il y a pas mal de choses aussi qu'on pourra réutiliser quand on verra les verbes, qui sera la prochaine séance. Dans 2 semaines on va commencer les verbes, voilà. Coucou tout le monde, coucou Laila-san. Coucou, j'ai vu cours de japonais, je me suis dit pourquoi pas, du coup voilà. Oh bah écoute, bienvenue à toi Millie Zoldik. Merci beaucoup d'être venu, merci de lâcher un petit message dans le chat, ça fait toujours plaisir de ne pas rester dans l'ombre. J'aime bien reconnaître les gens. Du coup, j'espère que je reconnaîtrai ton pseudo, Milly. J'ai toujours la boîte de Doliprane à côté au cas où. Moi, j'ai pris un Doliprane avant le cours parce que je vous jure, ma tête, genre, j'ai cru qu'elle allait exploser. J'ai préparé le cours d'aujourd'hui, plus le cours de Kanji, plus le test, plus les exercices pour cette semaine, et je suis vraiment genre en mode... La mort, c'est la mort. Oh non, la diluse de Doliprane, mais oui. C'était pas un Doliprane, c'est un Dafalgan. Excuse-moi. Il est comment le cours d'aujourd'hui? Difficile ou faisable? Largement faisable. Largement faisable. Vraiment, c'est du vocabulaire plutôt qu'autre chose, plutôt qu'un cours à proprement parler de grammaire. Donc vous inquiétez pas, ça va pas être super difficile aujourd'hui. Bon, sinon, comme d'habitude, petit test des canas. On change pas les bonnes habitudes. Washi la kazoku. I got you, moonlight. Oh là là, pourquoi j'ai ça en tête? C'est sorti genre tellement de nulle part. Désolée.
Kambawa minasan, coucou Su-chan, coucou Bekassin, comment ça va? Coucou vraiment, merci pour le cours de jeudi dernier, c'est tellement utile. C'est waouh, merci pour ton application Sensei. Oh, trop chaud. Merci pour son message, ça fait vraiment plaisir. J'ai pas eu le temps de rattraper le cours de lundi dernier, c'est grave pour suivre où ça va aller. Bah ça va aller, Idril, parce que la première partie, on va faire un récap de la conjugaison. Donc tu vas pouvoir voir ce que l'on a vu la semaine dernière. Bah je bute sûr. Et par contre, le train de la hype, il est cassé, non? Parce que je comprends pas pourquoi on est au level 3. On n'a pas passé déjà le level 3? Non? Team Dua Lipa, ouais, en ce moment j'écoute que ça. En ce moment j'écoute que ça, entre Fever et toutes les autres, elles sont New Rule, genre c'est une de mes préférées aussi. Voilà. Coucou Caleb, comment tu vas? Genki desu ka? Bon, du coup, je disais, petit test des kanas comme d'habitude. Donc pour ceux qui sont nouveaux, prenez de quoi écrire. Et vous avez deux exercices à faire. Le premier, c'est un exercice du coup d'écriture. Oh, merci beaucoup pour les pizzas. Arigato gozaimasu. Yasashii desu. Yasashii sugiru dakedo sa. Merci beaucoup. Du coup, premier exercice, il faut écrire en kana. Quoi? Pourquoi ça va aussi vite le train de la hype? Ah non, il avait bugué, hein. Niveau 2 atteint. Ah, oh, naruhodo. Moi, je sais pas, je suis perdue. Ah, voilà. Ouh. T'es compliqué. Du coup, premier exercice, vous écrivez en hiragana, tout ce qui est en rouge, et en vert, c'est en katakana. Et pour le deuxième exercice, c'est de la lecture. Donc là, bah, vous écrivez en lot, on m'a dit, hein, la lecture pour les 6 mots de vocabulaire. Alors, j'ai fait exprès, du coup, de choisir des adjectifs pour vous donner un peu de vocabulaire. Donc là, tous les mots que vous voyez ici, ce sont des adjectifs, soit en i, soit en na. Mais on verra ça juste après. Et voilà, comme d'habitude, je fais la commode. Je meuble pendant que vous faites l'exercice. Et voilà. Merci pour tous ceux qui ont participé au train d'hype. Tchou, tchou, c'est le train de la hype. Ah, coucou Queen Solweg. Hello, j'écoute parce que je suis encore au boulot. Oh, il y a des courageux ici. Ganbatte, ganbatte. Courage pour le travail. Et ça me fait plaisir du coup que tu mettes ça à côté. J'espère que ça te donnera un peu de force pour finir ce que tu as à faire. Bonsoir Caleb, ton pseudo vient de l'acteur de Stranger Things. J'ai trouvé un autre adjectif en A qui se termine en I, c'est possible. Bah, Grim, dis-moi lequel. Dis-moi lequel. Ça, c'est parce que ça se trouve, c'est pas un adjectif en A. Ou alors, c'est un pseudo-adjectif. Et il faut pas confondre un adjectif. Ah ben voilà, il se finit pas en I. Kai te ki, il se finit en ki. Et pas en I. Tu fais vachement bien la commode. Merci, merci. Ça fait des années que je m'entraîne. Du coup, voilà. Maintenant, j'ai un peu d'expérience. Je vais vers les angles et tout. Nickel. Faites attention, hein. Un adjectif en i, il se finit par un i et pas une syllabe en i. Alors, je me suis fait rire parce que tout le monde était en mode « Ah, c'est bon, on a compris !» Alors, je l'ai répété 5 fois, mais non. Non, non, non. Par contre, je suis en train de réaliser, c'est quoi les mots qu'on a eu grâce au train de la hype? C'est quoi cette émote? Genre, c'est une cible? Je sais pas, je comprends pas. C'est marrant. Bah oui, il y a des angles sur mes épaules, du coup, c'est comme la commode, non? Bref. Ça touche droit dans le cocolo à son nez. J'avoue, les maths, elle est un peu bizarre, mais bon. So, des sénégrés. So. Donc voilà. Là, du coup, bon, je vous laisse comme d'habitude. Et dès que vous avez fini de faire votre exercice, bah, vous me le dites dans le chat. Hein. Environ un peu moins de 5 minutes, ça devrait aller. Le troisième mot en rouge en bas, je ne savais pas qu'il y avait les deux. Le troisième mot en rouge en bas, je ne savais pas qu'il y avait les deux. Ah, bah si. En fait, tous les adjectifs en chi, i, il y a forcément un i. Hein. En fait, il y a pas de i, hein, les gens. Faites attention. Hein. Il y a une syllabe en chi plus un i. Et donc, il n'y a qu'un i. Non, mais ça, j'ai pas lu l'adjectif. J'ai juste donné la fin. Mais...
Ah, mais non, je me pose des questions, j'ai le droit, non? Attendez, hop, voilà. Ah, fini pour Chania. Ah, t'inquiète pas, Niel, tu as le temps, vas-y. Fais ton test. Et bienvenue à Sekapice Lord. Merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu sono channel yo koso, bienvenue sur la chaîne. Alors, question habituelle, comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé la chaîne? Oh, et direct une question, quel niveau faut-il pour faire tes exercices? Je suis complètement débutant, j'espère pouvoir avoir le niveau GLP3 en un an de travail quotidien. Bah écoute, là, les exercices en début de cours, c'est juste des exercices d'écriture de kana. Donc, si tu connais tes hiragana, tu peux les faire, hein, y a pas de souci. Hein. Et si tu ne les connais pas, je ne peux que te suggérer... Mince, me suis trompée. Ceci, voilà. N'hésite pas à faire un petit tour. J'ai écrit un manuel qui permet justement d'apprendre les kanas. Donc pour tous ceux qui ne les savent pas encore et qui ont un peu de mal avec seulement les moyens sur Internet, le manuel est disponible. Et en plus de ça, on a aussi les cours sur Twitch qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Voilà. Et donc tout le monde a mis les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Voilà, n'hésitez pas. Love. Kokoredes. Merci beaucoup, Alsotaku, pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu sono channel yo koso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Alors, pareil, même question. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé la chaîne? C'est vrai, Idril. Ah, bah, je suis super contente alors. Est-ce que ça va? Tu arrives à bien retenir les kanas? Il me semble que c'était toi qui avais du mal avec les katakana au début. Dorodeska, est-ce que ça va? À force de pratiquer, ça a réussi à rentrer? Bonjour, je suis de Lyon en études supérieures master et je pars à Hiroshima l'année prochaine pour faire un semestre en échange. Ah, trop bien! Hiroshima, genre, une des villes que j'adore. J'y suis restée pas longtemps, mais l'atmosphère de Hiroshima, c'est genre extraordinaire. C'est genre, j'adore. J'adore cette ville, elle est trop bien. Du coup, profite bien à ce moment-là. Voilà, j'espère que tu aimeras bien cette ville. Le tram, juste ça, c'est extraordinaire. Cinq mois pour en faire le tour. Ah bah, moi j'ai profité que 3 jours là-bas parce que j'y suis allée avec ma petite sœur et on a fait un grand tour de tout Japon en un mois. Mais vraiment, j'ai hâte d'y retourner. Hiroshima, j'ai envie de plus découvrir cette ville. Pas que les... J'ai fait des trucs très très touristiques et j'ai envie de visiter un peu et tout partout. Trop bien, Hiroshima. Et j'ai découvert la chaîne sur le fil Twitch. Vive les recommandations! Vive les recommandations! Salut, moi aussi je viens de m'abonner à vous sur Insta et Twitch. Oh, merci beaucoup Léo Fulenti. Merci beaucoup pour ton follow du coup sur Insta et sur Twitch, c'est très très gentil. On n'a pas eu de notif, c'est trop bête. Oh, Nonaï m'a fini. Ah, mince Caleb. Non, il faut réviser, il faut faire du bot. Faut faire du bot Caleb. Faut venir sur le Discord et tryhard le bot. Il faut. Bon, Kiki qui a fini aussi du coup. Pour tous ceux qui sont nouveaux, du coup, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Hein. C'est là où vous aurez toutes les informations concernant apprenant japonais. Et c'est là où vous pourrez potentiellement le plus travailler votre japonais avec d'autres personnes qui actuellement sont dans le chat hein, et qui sont également sur le Discord. Voilà. Il a été remis à neuf là cette semaine, enfin la semaine dernière. Donc maintenant, il est top normalement. J'ai donné toute mon âme à aller dans ce Discord. Alors n'hésitez pas à venir, voilà. Les stories Insta. Ah, narihodo. Et ça m'a pris un an pour apprendre les kanas. Ah, sodesuka. Dommage que mon manuel n'était pas là avant. T'aurais mis moins de temps. Mais du coup, clap, clap, clap pour les un an d'effort de Alsotaku, évidemment. Oh, et Léo, du coup, qui vient également de commencer à apprendre les kanas. Eh ben écoute, ganbatte, Léo, c'est le début. Accroche-toi. N'hésite pas à venir sur le Discord pour travailler avec les bots. Tu verras, pour la lecture, c'est super bien. Mais voilà. Oui, il est tout beau, tout propre le Discord, oui. Est-ce que le premier hiragana en bas peut s'écrire en allongeant le son? Non, si tu parles de tout en bas, genre de celui-là, je sais pas si vous voyez, de celui-là, non, c'est séparément. C'est pas un allongement de la... Comment dire? Voilà, de la voyelle, pardon. Est-ce que c'est ça?
pardon, est-ce que c'était ça la question, Nègre? Il y a toujours une irréductible botte qui résiste toujours à Sensei. Oh, oui, je vous jure. Les bottes, non mais, les bottes, quoi. C'est pas possible, des fois. comment fonctionnent les bots Discord? Désolé de polluer le cours, dis-moi s'il y a un guide pour découvrir le Discord. Écoutez, il n'y a pas... Enfin, écoutez, pour ceux qui sont intéressés par Discord, hein, pas juste CK. Tu as, en gros, sur les Discord... Bah, à la limite, je vous fais une présentation à la fin du cours, si vous voulez. Mais normalement, tu as dans les salles de cours, justement, tu as un petit salon avec marqué « Commande bot ». Et il te dit quelle commande faire, dans quel channel, pour l'activer. Mais à la fin du cours, si j'y pense, je vous ferai une petite présentation du Discord pour ceux qui hésitent à venir ou qui ne savent pas comment l'utiliser. Parce que bon, voilà, n'hésitez pas. Coucou, Janelle. On est déjà 50. Non, mais oui, je suis choquée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a beaucoup de monde d'un coup aujourd'hui. Trop bien, très très bien. Moi, j'ai appris les hiragana en une semaine. Ah, omedetto. Bien joué, Marie. Sohone. Bah oui, en fait, le souci des kana, c'est que ça dépend des gens. Il y a des personnes qui vont l'apprendre très très vite, j'en faisais partie, et il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup plus de temps, bah, tout simplement parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Moi à l'époque j'étais au lycée, donc j'avais pas grand chose d'autre, je les ai tryhard et hop, et puis pareil avec l'âge, la mémoire c'est pas la même chose non plus, du coup c'est pas évident pour tout le monde, mais bien joué à toi du coup, si en une semaine t'as réussi à faire les hiragana, c'est très très bien. J'ai amené mes amis chinois, merci pour nous, trop gentil. S-Dream, faut savoir que S-Dream est moto sur les Discord, hein. Donc c'est du troll, hein, là, clairement. Bon, du coup, je vous montre la correction, là, je pense que je vous les ai laissé assez de temps. Du coup, kawaii, ça veut dire quoi, kawaii? Ça, je pense que c'est un mot que beaucoup de gens connaissent. Kawaii no imi wa nan desu ka, ça veut dire quoi? Monami, modo. D'habitude, ça papote plus avant de mettre exo, sorry, je suis en retard. C'est vrai, Barmok. Mais comme on va faire un récapitulatif de la semaine dernière, ben, j'ai un peu avancé. Comme ça, on n'est pas trop... Voilà, bref, vous avez compris. Kawaii, ça veut dire quoi? Pure douf. Oh, mais alors, attendez, la galère que j'ai eue pour trouver des adjectifs en katakana, c'est pas si évident que ça. Hein. Alors, kawaii, mignon, so. Anzen, ça veut dire quoi? Ah, pauvre ou... Bah, c'est plus mignon, hein. Kawaiso, ça sera pauvre, genre en mode... Kawaiso na otoko, genre un pauvre petit garçon. Anzen. Ah bah, Caleb, c'est normal. La mémoire est sélective, hein, donc dès que tu travailles plus quelque chose, bah... Hop, il met de côté. Et oui, donc je commence direct avec le sens des mots, mais n'hésitez pas à regarder, à me dire le score que vous avez eu hein, aujourd'hui. 10, 11, bien joué. Anzen. Est-ce que quelqu'un sait pour Anzen? Ya, Dalemo? Shiranai no? Bien joué, Ishtari, du coup. 10, c'est trop bien. 11, 12, bien joué, Mayu. Et pure noob 0, comme d'hab, quel mauvais élève. Ah, éponyme 11, omedetto, omedetto minna. Il a ça, moi, 1. C'est trop fort. Bien joué, Kiki et Chania, 11. Alors, vous avez fauté sur quoi? Qu'est-ce qui vous manquait pour ne pas avoir la perfection? Bon, du coup, Anzen, c'est genre en sécurité, la sécurité. Wakai, est-ce que quelqu'un connaît Wakai? Oh oui, so Leila Sané, sûreté, sécurité, safe, so dessiné. Je connais le sucre vanille en sel, rien à voir, oui, rien à voir. Du coup, wakai, so, wakai ça veut dire jeune. Wakamono, c'est des personnes jeunes. Watashi tachi wa wakamono, watashi wa wakamono, pardon, moi je suis wakamono, wakai hito, une personne jeune. Du coup, on continue, mais en katakana, eleganto, ça veut dire quoi? Bon, en katakana, normalement, vous pouvez assez deviner. Hein. Là, le son est pas trop compliqué. Oh, et les gens, on est bientôt 60. J'ai pas tout compris. Eleganto. Oui, élégant. Alors, je l'avais jamais entendu. Je l'ai découvert en faisant des recherches, du coup, mais voilà. Keti. Est-ce que vous connaissez Keti? Eleganto, c'est moi. So, Ishtari, soit eleganto na hito desu ne.
Ah, Idril s'est planté sur les katakana. Bah, Ganbatte, Idril. Ganbatte Kudasai. Et du coup, 6 sur 12 pour Caleb et tout, et toutes les fautes sont en katakana. Anata wa veli 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 wakai desu ne. Soka, du coup, Ketchi, ça veut dire. Ah mince, c'est l'avare. Avare. Le fait d'être avare, voilà. Hansamu, ça je vous l'ai déjà dit, est-ce que vous savez? Hansamu no imi wa nan desu ka? Ego kara. Nandakedo. J'aime bien le Anatawa very 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 wakai Hansamu comme pur douveur. C'est trop drôle. So dessiné. Hansam, donc de l'anglais, hein, c'est en mode beau gosse, quoi. Hansamu na hito, une personne. J'oublie dans le sens où Hansam sera utilisé principalement pour les garçons. Hein. C'est les garçons qui sont Hansamu. Alors que les filles, elles, sont plus kirei, jolies. Et un garçon, c'est Hansamu, joli, mais dans le sens un peu bah, beau gosse, quoi. Merci beaucoup, Argo TV, pour ton follow. Follow してくれてありがとうございます。Notre channel est Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Et du coup, pour l'exercice 2, Atatakai. Ça veut dire quoi, Atatakai? Kawaii comme barmok. Chaud, exactement. Atatakai, c'est chaud. Exactement. Majime. Alors ça, ceux qui sont sur le Discord, normalement, vous le savez. Hein, c'est dans les rôles. Hein. Majime no imi wa nan desu ka? Majime, so desu ne. Bien joué, Grim. Ça veut dire sérieux. Donc, sur Discord, le rôle, c'est Majime Nagakusei, un étudiant sérieux. Et ce rôle-là, il est attribué à toutes les personnes qui... au top 3 des personnes qui le postent le plus de messages, en fait, qui travaillent le plus leur japonais sur le Discord. Ensuite, on a Muzukashi. Muzukashi, ça veut dire quoi? Ah, Atsui, ça veut dire chaud aussi, hein. Et la différence entre Atatakai et Atsui, Atsui, c'est plus chaud que Atatakai. Coucou Maeva, bonsoir. So, muzukashi, c'est difficile. Donc, par exemple, les kanji sont difficiles. Kanji wa muzukashii desu. Kanji wa muzukashii desu. Toka. Nihongo wa muzukashikunai desu. Le japonais, c'est pas difficile. Nihongo wa muzukashikunai desu. Alors, après, on a shikku. Shikku, c'est quoi? Bon, là, pareil, katakana. Oui, tout à fait, atsui. Et après, ça dépend des kanji. Hein. C'est la température, par exemple. Kyowa atsui desu, aujourd'hui il fait chaud. À l'inverse de Kyowa samui desu, aujourd'hui il fait froid. Chic, tout à fait. Genre quelqu'un de chic. Chic na hito, une personne chic, tout simplement. Etchi, alors ça, je pense que beaucoup de monde le savent, du coup, j'ai tellement galéré à trouver des adjectifs en katakana, du coup, bah, voilà. Etchi ga detta. Sokka. Chic, wakaranai kedo. Ah, chic, ouais, c'est bah, c'est le fait d'être chic. Genre, oshare. Mayu. Etchi, c'est comme Leila-san, du coup. So desu ne. Leila-san wa etchi na hito desu. Si tu m'en dessinais. Du coup, Eti, voilà, je vous laisse, voilà. Et le dernier, Baka. Tout le monde le connaît, sachant que Baka, ça s'écrit aussi bien en kanji qu'en hiragana qu'en katakana. Et vous dire la différence entre les deux, pour l'instant, je ne peux pas. Mais comme c'est l'étude de mon mémoire, enfin, je fais des recherches sur ça, je vous le dirai quand j'aurai fini mes recherches. Voilà, si j'arrive à les finir un jour, évidemment. Donc voilà, pour le vocabulaire d'aujourd'hui, des petits adjectifs. Bonsoir les gens, coucou Lunis, comment tu vas? Mayuku noa baka. Et tu vois, atatakai desu. Atatakakunai yo. Merci beaucoup pour ton follow, Xuan Vin. Désolée si je prononce mal ton pseudo. Follow je t'ai coulé, arigato gozaimasu sur notre channel Yokoso. Bienvenue sur cette chaîne. Comment vas-tu? Enfin voilà. Du coup, petit récapitulatif, pardon, faut que j'articule un petit peu mieux.
On a vu beaucoup de choses. Hein. Je ne vais pas tout vous refaire. Ça, maintenant, j'espère que la plupart des points sont appris, sont maîtrisés. Voilà, j'espère. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder les replays. N'hésitez pas à regarder sur Internet. Vous avez plein de ressources. Il y a plein de bons manuels aussi qui voient ces points pour le JLPT5, notamment. Donc, voilà, n'hésitez pas. S'il y en a vraiment un qui vous embête, bah, je suis dispo sur Discord dans tous les cas. Hein, donc, vous me notifiez sur Discord en me posant la question. Et puis, j'essaierai de vous aider du mieux que possible, ainsi que toutes les autres personnes qui seront sur le Discord. Hein. On est là pour s'entraider. Et donc, ce qu'on va revoir aujourd'hui, c'est du coup les adjectifs. On va revoir la... très rapidement quand même la conjugaison, pour ceux qui n'étaient pas là, notamment la semaine dernière. Et donc... je vous refais très rapidement l'introduction des adjectifs, mais je vais boire un petit coup avant. Hein, parce que, hein, voilà. Dire qu'il y a 15 ans, je parlais le japonais couramment, et le fait de ne plus pratiquer, j'ai presque tout perdu. Ah, ça doit être horrible. Ça, je compatis l'UNIS, du coup, parce que moi, j'ai ressenti la différence en revenant en France. J'ai perdu pas mal de choses. Après un an là-bas, donc au bout de 15 ans, j'imagine pas si t'as pas pratiqué, ouais, ça, et puis ça, tu dois pas, ça doit pas être facile, ça doit pas être facile. Ishitari, ganbatte, demo, ganbatta ne, c'était bien ce que tu as fait pourtant. Me réentendre, non. Bon, du coup, petit récapitulatif sur les adjectifs. Hein. On a deux types d'adjectifs en japonais. Les adjectifs en i, qui se finissent tous par la syllabe i, et qui sont aussi appelés adjectifs variables en français. Pourquoi ce nom? C'est parce que justement ce i final va varier pour donner les différentes conjugaisons de l'adjectif, que ce soit au présent, au passé, affirmatif ou négatif. Et en qualifiant un nom, on mettra l'adjectif devant le nom, alors qu'en français on fait l'inverse. Hein. Donc un exemple que je donne à chaque fois, un chat blanc. Chat, c'est le nom, blanc, c'est l'adjectif en français. Et bien, en japonais, vous allez inverser et dire shiroi neko. Shiroi neko pour dire un chat blanc. Les adjectifs en a, du coup, eux, ce sont des adjectifs dits invariables. Il n'y a pas de petite syllabe qui va varier pour conjuguer, non. Il va se conjuguer comme un nom, c'est-à-dire avec l'auxiliaire être, donc des en japonais. Il y a juste trois petites exceptions, notamment yumei qui veut dire célèbre, kirei qui veut dire joli et kirai qui, comme vous pouvez le voir, se finissent avec la syllabe i, mais qui eux font exception à la règle et du coup vont se conjuguer comme des adjectifs en na, donc ils vont se conjuguer avec des. Et pareil, quand on va qualifier un nom avec un adjectif en na en japonais, entre l'adjectif et le nom, du coup, faudra mettre ce petit na là. Et donc, une femme jolie, donc femme jolie en français, ça sera jolie femme en japonais, et ça deviendra kireina honna, kireina honna des. C'est une femme jolie, par exemple. Et oui, Mayo, comme il le précise, moi, important ici, c'est syllabe. C'est pas parce que vous entendez le son i que ça finit en i. Hein. Il faut absolument qu'il y ait la syllabe i en japonais pour que ça soit considéré comme un adjectif en i. Tu t'es trompé, célèbre, ça se dit S de l'IME. S de l'IME na hito des. Je me suis corrigée. Excuse-moi, Azume, c'est vrai que je fais toujours la faute. Ah là là, je devrais pas. Kirei na honna no hito serait mieux d'ailleurs. Bah, doti demo iyo sont des synonymes. Mais c'est plus poli, sont dessinés honna no hito. Donc voilà pour l'introduction très brève sur les adjectifs, hein, pour faire écho à ce qu'on a fait la semaine dernière. Et au niveau conjugaison, du coup, je vous remontre ça, hein, toujours avec l'exemple de oishii, qui veut dire délicieux. Donc en forme présent ou non accomplie, on mettra des, oishii des, c'est délicieux. Pour du passé, du coup, on mettra, le i va devenir ka, il va varier en ka, et la terminaison, du coup, c'est kat. Tades, katades, oishi katades. Donc c'était délicieux. Pour la forme négative, on a toujours deux variantes, hein. Une un peu plus écrite et une autre un peu plus orale, tout en restant poli. Oishi ku, donc le i va devenir ku plus arimasen, ou ku plus naides. Oishi ku arimasen, qui est du poli écrit. Oishi ku naides, qui est du poli plus oral. Et enfin, au passé, donc là, oishi ku arimasen, oishi ku nai, c'est ce n'est pas bon.
Et au passé, Oichi ku, donc là toujours le i devient ku, plus arimasen deshita, et Oichi ku nakatta desu, qui veut dire du coup ce n'était pas bon. Oichi ku nakatta desu ou Oichi ku arimasen deshita. Quitte à utiliser kirai, autant être poli. Son dessin. Donc voilà pour la forme polie, hein. Oishi ides, oishi katta des, le i, vous voyez ici, hein, le i change en ka, katta des, et là, en forme négative, il va changer en ku, oishi ku nai des, oishi ku nakatta des. Donc pourquoi ça parle mal des mochi? Quoi? Ah non! Non, les mochi à Kaenir, pour les avoir déjà goûtés, ils sont extrêmement bons. Extrêmement bons. Et du coup, bah, la forme neutre, évidemment. Hein. Et donc là, la technique, c'est d'apprendre votre forme polie, de prendre les dernières lignes à chaque fois, celles qui se finissent en des, et de retirer des. Et si vous faites ça, magie, vous avez votre forme neutre. Donc, oishi, oishi katta, oishi kunai, oishi kunakatta. Et pour la forme épithète, du coup, vous prenez la forme neutre. Oishi plus un nom quand il s'agit d'un adjectif en i, bien évidemment. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Est-ce que c'est compris? Su? Dites-moi, faites des petits retours, please. Dordeska. Est-ce que ça va pour tout le monde, les adjectifs en i? Est-ce que c'est assez clair? Mayo qui veut recommencer du début, bah tu peux reprendre le replay. Mais oui, c'est clair. Moi, j'ai rien compris. On peut recommencer. Mais vous êtes vraiment... C'est pas possible, hein. Merci beaucoup, Hunden1381, pour ton follow. Follow, je t'ai coulé, arigato gozaimasu. Sur notre channel, et yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Et oui, Nonaimidea, tu verras, de toute façon, dans le cours que tu verras, c'est ce qu'il y a là. Hein. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre ces tableaux-là et faire les exercices que j'ai pu donner de conjugaison et t'entraîner à conjuguer. Donc regardez le live des exercices aussi hein, qu'on a fait jeudi, c'est utile, j'ai mon dos droit. mais voilà, là c'est de l'entraînement, je pense, plutôt que de la compréhension. Là, il faut juste que pour les adjectifs en i, vous comprenez bien que c'est le i qui va varier pour donner les définitions. Et je dab. Et on va voir la même chose du coup. Alors, il faut juste faire attention, et ça j'allais oublier, à l'adjectif qui i, hein, pour bon, où là bah, c'est le yo. En fait, le premier i va varier en yo, et c'est à cause du comment dire, du japonais classique, hein, du japonais d'il y a beaucoup d'années déjà. Et du coup, à ta santé, Maeva. Kampai. J'avais une petite question, mais si ça tombe, c'est simple. Mais ça se trouve, si ça se trouve, c'est simple. Pour dire ce n'est pas un chat blanc, on conjugue l'adjectif ou le verbe des. Alors, de manière générale, il vaut mieux conjuguer des. Et donc dire shiroi neko dewa arimasen. De toute façon, en français, c'est ça. Ce n'est pas. Ce n'est pas, donc c'est le verbe être hein, qui est conjugué, un chat blanc. Et il y a une nuance en français qui est, c'est un chat qui n'est pas blanc. C'est un chat qui n'est pas blanc. Dans ce cas, qui n'est pas blanc, la négation, elle est portée sur l'adjectif. Et dans ce cas, on dira, shirokunai neko desu. Mais du coup, le français vous aide normalement à savoir où vous devez mettre votre négation, votre passé, votre conjugaison de manière générale. Hein. Quitte à passer pour un gaijin, Osef la forme polie. Non, c'est important les gens, c'est vraiment important. Mais le japonais le plus naturel sera en général de mettre la négation sur le verbe et non pas, ou le passé, hein, la conjugaison sur le verbe et non pas sur l'adjectif. Et de rien, du coup, je suis contente d'avoir répondu à ta question. Donc voilà, faites juste attention, il y a un adjectif en i qui est un peu bizarre, c'est l'adjectif ii, hein, qui veut dire bien ou bon. Et le deuxième, en fait, enfin le premier va varier en yo, et le deuxième va se conjuguer normalement en yokatta desu, yokunai desu, yokunakatta desu, etc. Alors, le non accompli, c'est le présent ou le futur, et l'accompli, c'est ce qui a été fait, hein, donc c'est le passé. Oui, voilà, Ishtaris, son dessiné.
T'es poli ou t'es pas poli? Donc voilà. Et pour la forme neutre, c'est la même technique. Hein. Vous retirez des là où il y a les des et vous avez votre forme neutre. Hein. Ii, yokata, yokuna, yokunakata. Donc c'est bien, c'était bien, ce n'est pas bien, ce n'était pas bien. Et ikodomo, par exemple, ikodomo, un bon enfant ou quelque chose comme ça. Ça va pour tout le monde les adjectifs en i? Oh, merci beaucoup Matlawis pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu sur notre channel et yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Alors, question habituelle pour tous les nouveaux venus. Comment vous allez déjà? D'où vous venez et comment vous avez trouvé la chaîne? Est-ce que c'est les recommandations de Twitch ou est-ce que c'est les réseaux sociaux peut-être? Ah, Mayu a tout compris. Ok. Je comprends mieux déjà. Ah, naruhodone. Il se passe quoi à 1300 follow? J'ai jamais réfléchi. Vous voulez qu'on fasse quoi à 1300 follow? Dites-moi, j'ai pas d'inspi, moi. Bonsoir à madame la prof. Une question, combien de temps pour préparer un cours? Ah là là. Je mets plus de 2 heures. En fait, en général, je mets 2 heures pour faire un cours de 2 heures. Plus ou moins. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait 2 cours et demi, du coup. Donc je vous laisse compter le nombre d'heures que j'ai travaillé sur les cours d'aujourd'hui. Une raclette, putain. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de raclette en plus. Elle refait le serveur Discord. Je vous ai déjà fait le cadeau alors. À 1300 follow, on change la musique d'intro. Ah, vous l'aimez plus la musique d'intro? Moi, je la trouve chill. Genre, vous êtes là en mode, allez, je prépare tout. Hop, hop, hop. Et Matt, c'est via recommandation. Ok, vive les recommandations. Bah voilà, Ishtari sont décédés. Bonsoir madame la sensei, coucou Jojo. Ah mais les gens, j'aimerais tellement tous vous rencontrer. Genre j'aimerais trop à Lille et à Paris. Genre c'est les deux villes où je sais que je pourrais aller. Donc dès que le Covid et tout, c'est vraiment un peu plus large, light plutôt. Il faut que j'organise ça, hein, ça c'est sûr. Hein. Meet-up à Lille, non mais ouais, hein, franchement, moi j'aimerais trop. Hein. Dans un petit pique-nique et tout, tout le monde va mettre des gâteaux et on papote et tout. Je vous donne un cours de japonais en plein air et puis voilà. La braderie de Lille, j'avoue que c'est peut-être pas le bon moment. Oh là là. Ben ouais, voilà, Mayu, c'est pas très cher maintenant d'aller jusqu'à Paris, mais les deux villes où je pourrais aller, Aka ou le fantôme, accepterait de m'amener. Oh, mais non, je prendrais le train. Lille, je prends le train. Bah Paris, je prendrais le train aussi, hein. Oh. Bah, il y aura une trop grosse différence, Ishtari. Je dis pas quand j'aurai peut-être 10 000 ou 100 000, peut-être plutôt. Au niveau budget, je pense que ce sera plus dans ce zone-là, mais... Ah, Maëva, oui, go Paris, Barbie du Bubble Tea. Ah bah, Bruxelles, c'est pas si loin non plus, du coup, vu que je suis dans le nord, en vrai, au niveau train, je sais que c'est pas trop cher. Mais ouais, la Medinazia, j'y allais tout le temps, la Medinazia, c'est trop bien cette convention. C'est pas surcoté, toi, qu'est-ce que tu dis? Oh. 100 000 follow, Japon. Ah oui, Besançon, c'est bon, c'est pas Lille, quoi, oui. Bah peut-être. Qu'est-ce que tu dis? Non, dis pas ça, pure double, c'est trop bien les conventions. Bon, sinon, on continue. Adjectif en A, donc là pareil, je vous montre la conjugaison, mais on va passer assez rapidement parce qu'il faut tout simplement savoir conjuguer des. Hein. Maëva, en plus, apparemment, elle faisait des cosplays de malade et tout, donc carton, faut pas dire ça. Hein. C'est pas sur Kotax. Quoi sur Kotax? Bah ça se dit pas. Un jour je viendrai dans le sud aussi, mais voilà. Pour l'instant, bon. C'est qui m'invite chez lui du coup? Pour que je paye pas l'hôtel. Ah non. Enfin bref. Du coup voilà, pour les adjectifs en A, donc là vous avez l'exemple de Benny hein, qui veut dire pratique. Il suffit de savoir conjuguer des, donc des, deshta, dewa limasen, deshta. Grosso modo,
profiteuse, non, économe, c'est pas pareil. D'autant plus que ça sera beaucoup mieux de passer un moment de convivialité avec la personne qui m'hébergera que d'être à l'hôtel seule, en train de pleurer sur son lit. J'ai plus de chambre de dispo, désolée. Oh non, chichi. Chapinou, c'est un peu ça du coup. Je profite, comme ça s'il y a des conventions, je viens squatter et tout. Hop, 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 ni vu ni connu. Oh non. Moi, je fais plus les conventions, je vais à la vraie convention, le Japon. Ah mais oui, tellement. Ce détournement. C'est trop drôle. Malinx, le sensei. Sans dessiner. Stream. Ben écoute, let's go. Je veux que je fasse un recensement de famille. J'avance sur Google Images. Oh non, c'est trop triste. Bon, bref, voilà. Et du coup, là, c'est la même technique. Il faut connaître la forme neutre de Des. Donc, Da, Data, Dewanai, Dewanakata. Mais ça, je vous laisserai. Pour ceux qui sont simples, vous avez les diapos. Et pour ceux qui ne le sont pas, vous avez les replays pour prendre bien en note, faire pause et tout, faire de beaux tableaux et vous entraîner à chaque fois à conjuguer, etc. Et du coup, on va enfin commencer le cours d'aujourd'hui, qui heureusement est un cours plus de vocabulaire vraiment que de grammaire. En fait, je vais vous donner du vocabulaire qu'on utilise souvent avec des adjectifs et on va revoir comme d'habitude des phrases exemples. Donc ça va vous faire travailler votre traduction, quelques particules. Voilà, c'est un peu de la récap finalement ce qu'on va faire aujourd'hui et en même temps ça vous apportait quand même de nouvelles connaissances. À ce qu'il paraît, chez moi il y a des bons plats. Ah oui, quand je vois tes photos, Jojo, en même temps, voilà. Accompli, partir au Japon, non accompli, repartir au Japon pour ma part. Ah, so ne. Jojo, hit, putain, je commente, mais genre direct. Direct, direct, direct. Alexa. Ah merde, Alexa, Alexa! Merde. Bon bah, vous voulez savoir le temps qu'il fait dans le nord? Il fait pourri. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? Ah non mais c'est ça, Alexa ta gueule, mais tout le temps. Prenez pas tous les billets d'avion s'il vous plaît. Oh mon dieu. Bon, est-ce que ça va pour vous les adjectifs, le petit récap? En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu le cours de la semaine dernière, je ne peux que vous recommander de le regarder. Je mets plus de temps à l'expliquer, hein, avec des phrases, exemples et tout. Et pour ceux qui sont simples, vous avez en plus des exercices sur le Discord, donc n'hésitez pas. Le temps qu'il fait dans le nord, hiver pourri, été, voire hiver. C'est tellement ça. C'est nice le récap. Ok, ok. Wakata. Oui, voilà, Idril. Tout à fait. So. Je sais pas ce que vous dites, mais vous pèterez. Du coup, les adverbes de degré. On va en voir 3 aujourd'hui. Avec les adjectifs, c'est ceux qui sont le plus souvent utilisés. Donc le premier, c'est totemo. Totemo, qui veut dire très, hein, et qui va se placer devant un adjectif à la forme affirmative. Totemo. Ensuite, on va avoir amali, plus une forme négative, qui voudra dire pas très, pas si ou pas tellement. Ça dépend du contexte en français, hein, ça c'est comme d'habitude. Et donc ça se placera devant un adjectif. Et l'adjectif, et c'est là où il va falloir que vous fassiez un peu attention, doit être en forme négative. D'accord? Sinon ça ne peut pas fonctionner. Et c'est la même chose pour zen zen, qui veut dire pas du tout, avec une forme négative. Où, donc zen zen va se placer devant l'adjectif, et l'adjectif va être conjugué à la forme négative. Nai, nai c'est la conjugaison pour la négation, hein, donc c'est pour ça que vous avez les parenthèses plus le petit truc qui est nai. Hein.
Donc aujourd'hui, on va apprendre ces trois-là, on va voir ça ensemble, à travers deux phrases d'exemple pour chacun. Et comme d'habitude, je vais vous mettre l'exemple, vous le lisez de votre côté, vous essayez de le traduire, et si vous avez besoin de vocabulaire, vous me le demandez. Et du coup, yoku, alors yoku, c'est souvent avec des verbes et pas avec des adjectifs. On dit pas yoku kawaii, on dit plus totemo ya kawaii, genre c'est souvent mignon. C'est pas quelque chose qu'on va vraiment entendre, j'ai l'impression. Bon, après, c'est peut-être juste un ressenti. C'est moi qui n'ai pas fait l'expérience de souvent le voir avec des adjectifs. Mais bah, on dit plus yoku tabemas, genre je le mange souvent, que yoku oishi, c'est souvent bon. Ah oui, pardon, j'écoute que d'une oreille. So, c'est souvent avec un verbe, du coup. Et yokunai, c'est la conjugaison négative de yoi, de ii, l'adjectif yokunai, ce n'est pas bon. Enfin voilà, du coup, première phrase, je vous laisse la lire et essayer de la traduire. Ici, normalement, l'adjectif, on l'a jamais vu. L'adjectif ici, est-ce qu'il y en a dans le chat qui savent ce que c'est? Est-ce que vous le connaissez? Ah, attention, éponyme! Zenzen atsui janai. Atsui janai, ça se dit pas. Atsui, c'est un adjectif en i. Et donc, atsui, à la forme négative, c'est quoi? Atsuku. Atsuku. Nani, nani? Je la lis, mais t'entends pas. Ah, pure double! Non, hein! Pas ça, pas cette faute. Kolewa, me lis des suyos. Atsukunai des, atsukunai, zenzen atsukunai. Nigiyaka animé, c'est ça. Nigiyaka, c'est dans le sens où il y a du mouvement, c'est agité, animé. So. Et oui, Anto, il y en a, et il y en a plein d'autres. Hein, mais là, c'est les trois plus utilisés, on va dire. J'aurais pu faire une liste très longue, mais je vais dire que pour limiter, pour éviter de perdre des gens au passage, j'aurais pris les trois plus importants. Et du coup, Matsiwa totemo nigiyaka des. Matsiwa totemo nigiyaka des. Anto, si t'as trouvé une liste sur un site internet, est-ce que tu peux m'envoyer le lien en MP? Parce que moi, j'ai pas trouvé de site qui répertoriait ceux avec les adjectifs. Du coup, si tu en as un, je suis preneuse. Oui, bien joué, Maïeux, Soso. La ville est très animée. So. Et Mati, c'est la ville. Mati. Machiwa totemo nigiyaka desu. Machiwa totemo nigiyaka desu. Là, c'est une ville très mouvementée, c'est une ville très agitée. La fête, du coup, attention à bien retranscrire le trait. Hein, Mayus, la traduction que tu as donnée était excellente. Hein. So, Machiwa, en ce qui concerne la ville, on est sur le thème. Totemo nigiyaka desu. Elle est très animée, très mouvementée, etc., etc. Matiwa Machides. Pure double. Matiwa Nandeska, Matiwa Machides. Les deux veulent dire ville, mais c'est des kanji différents. So. Matiwa Totemo Nigiyaka desu. Et du coup, le totemo se place bien devant l'adjectif. Et l'adjectif est en forme affirmative. D'accord? Deuxième phrase, pareil, je vous laisse la lire. Alors là, l'adjectif, je ne sais pas si je vous l'avais déjà donné. Est-ce que quelqu'un le connaît dans le chat? Oui, Pure Double, c'est clairement inspiré de ma vie, cette phrase. C'est moi, en fait. C'est moi. Juste, c'est moi. Quel est l'adjectif ici? So desenes. L'adjectif ici veut dire occupé, dans le sens avoir beaucoup de travail, le fait d'avoir un emploi du temps, de ne pas être libre, en fait. C'est l'inverse d'être libre, d'avoir du temps libre. C'est... voilà. Oh, merci beaucoup le chat bleu pour ton follow. Follow shite kurete. Arigato gozaimasu, sur notre channel. Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu?
Attention, c'est pas Zen Zen Ishtari. Totemo isogashi sensei desu. Totemo isogashi sensei desu. Le sensei est très occupé. Alors attention, hein. Le sens est là, mais la traduction n'est pas bonne. Totemo isogashi sensei desu, c'est plus, c'est un professeur très occupé. Parce que le professeur est occupé, on dirait sensei wa totemo isogashi desu. Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que c'est clair ou pas? Là, il est en forme épithète, hein, donc il qualifie sensei, et donc la traduction ne sera pas la même. Kendi sensei desu ne, so desu ne. Watashi desu. Watashi wa totemo isogashi sensei desu. Je suis une professeure très occupée. T'avais dit quoi, Maeva? La sensei est trop occupée. Alors, la sensei est un thème ici. Et non pas un nom qualifié. Est-ce que tu vois la différence? Sensei wa totemo isogashi desu. Le professeur est très occupé. C'est ce que tu as dit, Maeva. Sauf que là, on dit c'est un professeur. En fait, vous pouvez faire une phrase simple qui est sensei desu, mais c'est un sensei qui est quoi? C'est un sensei qui est très occupé. Et là, du coup, ce serait la traduction de la phrase. Ah, d'accord, Maeva. Naruhodo. Kanji sensei ga daisuki desu. Oh, kawaii. Watashi mo suu-chan nihongo ga suki desu yo. Merci, je vais bien. Bon, faut que je me mette à niveau pour bien comprendre tout ça. Ah oui, le chablo, tu arrives un peu au milieu d'un cours en plus. On est en train de voir les adjectifs et notamment là, les adverbes de degré. Tous les cours sont en replay sur la chaîne Twitch et seront bientôt tous disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, si tu n'a pas ce niveau-là actuel en japonais, bah je recommande à tous les nouveaux venus de regarder les replays. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On est au sixième cours de grammaire. Non, septième. On est au septième cours. Du coup, voilà, il y a de quoi faire. Kendi sa mama, sa sensei, san-chan, kun est très occupé, dégonzalu. So desu ne, isogashi sensei. Ah, j'avoue, pure noob, ça peut se négocier, ça. Ça peut se négocier. En échange d'un hébergement, Isogashi. Alors, avant, je m'appelais Bo-chan, et genre le Bo de Isogashi, justement. Parce que je trouvais ça drôle, je suis tellement tout le temps occupée que. Attention, Bo-chan des. Bo-chan. Bo-chan des. Oh là là. Enfin, voilà. Maintenant, nouvelle phrase, un peu plus longue, que je vous laisse encore une fois lire et essayer de traduire. Normalement, tous les mots ici, vous les connaissez. À part peut-être le premier. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le premier? Peut donner une traduction pour le chat? Traduction de « foutez-moi la paix ». Mais non! Asode isogashi ne. Ah, une phrase pour mon salon, pire double. So, so, so. C'est la chambre ou la pièce, hein. Exactement. Exactement. Ja, dou desu ka? Sono bun wa nan to iu imi desu ka? J'ai trouvé une petite liste. Oh, merci Anto. Bah écoute, si tu peux m'envoyer ça sur Discord, tu serais un amour. Oh, Choupinou, là, il y a moyen de négocier. Parce que même si tu fais que 30 kilos, 30 kilos de poké et de mochi, alors là... Oh là là. Ah non, en plus, c'est mon poids. Oh bah putain, je suis bien, là. Ah mon Dieu, j'arrive tout de suite, Choupinou. bien joué, Destiny. Shinshitsu, c'est aussi une chambre, je pense. Oui, hein. Alors, Maeva, tu as raison dans un sens. En fait, Kirei a bien deux sens. C'est soit joli, soit propre. Et là, on n'a pas de contexte. Donc, les deux, je pense que les deux peuvent largement passer ici. Hein. Heya wa amari kirei ja arimasen. Heya wa amari kirei ja arimasen. Alors, au niveau de la construction ici, on a bien amali plus votre adjectif à la forme négative. Hein. Là, n'oubliez pas, c'est genre
Le point à retenir, c'est quand vous utilisez Amali, il faut forcément de la négation derrière. D'accord ? Tout le temps, tout le temps. Amali plus négation. Amali plus négation. Je répète, Amali plus... Il y a trop de latence avec le chat. Plus... Je fais la commode. Je fais les angles de la commode. Négation. Des. Né. So. Et donc, pour cette phrase, Heyawa, Amali Kileja, Alimasen, la chambre n'est pas très propre ou la chambre n'est pas très jolie. Voilà une traduction qui pourrait convenir. Et Amali, c'est pas très, pas si, pas tellement. J'en ai tous les. Négation. Négation. Évidemment, d'aigre qui. Affirmation. Merci Anto, arigato. Heyawa amani kireija alimasen. Donc cette chambre ou cette pièce pardon n'est pas très jolie. Et donc du coup, petit exercice, comment vous diriez du coup l'inverse? Cette chambre est très jolie. Comment vous le diriez? Cette chambre est très jolie en japonais. Oh, merci beaucoup Tontin et Weirdtag pour le follow, c'est trop gentil. Vous arrivez tous les deux en même temps, d'où venez-vous? Follow shite kurete arigato gozaimasu sur notre channel et yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment allez-vous? Oh, bien joué Ishtaris. So, très bonne phrase. Ouais, totalement. Maeva aussi, c'est excellent. Maïe paraît. Ah, Esdum, c'est très bien, fais juste attention à la faute de frappe. T'as mis un A au lieu d'un E, mais sinon c'est ça exactement. So, Heyawa, totemo, kirei desu. So, desu ne, très bien. Heyawa, totemo, kirei. Alors, arimasen, attention, hein, c'est de la négation. Avec totemo, c'est toujours de l'affirmatif. Totemo, kirei desu. Ou on peut même mettre du passé, hein, totemo, kirei deshita, c'était très beau. Mais on met pas de négation. Donc, dewa arimasen et dewa arimasen deshita, ça, hop, on oublie, on peut pas avec totemo. Heya wa totemo kirei desu. Barmak, c'est presque parfait, il te manque juste ta petite particule de thème. Heya wa totemo kirei desu. Et pareil, les kanji de kirei, pour ceux qui veulent savoir, on ne les utilise pas. C'est trop compliqué, ils sont trop difficiles, donc c'est toujours presque tout le temps en hiragana. Je sais, j'ai juste la fierté de les reconnaître, mais pas de les écrire, sinon c'est compliqué. Non, Grim, c'est très français de faire ce genre de phrase, et en japonais, on perd un peu le naturel. Hein. Ce n'est pas très beau. On dit, bah du coup, ce n'est pas très beau, on dira Amali kireija arimasen. Hein. Amali kireija arimasen. Bien joué, Destiny. Du coup, vous avez tous de donner une bonne phrase. Très bien. Alors, Tontin, n'hésite pas à aller sur YouTube. Tu as les replays de tous les cours qui ont été faits. Là, on est déjà au 7e cours de grammaire. Hein, donc, si tu n'as pas de base en japonais, c'est vrai que tu peux être vite perdu. Mais si tu as le temps, regarde les replays. Ils seront bientôt tous disponibles sur la chaîne YouTube. Il y en a qui sont disponibles déjà sur Twitch. Hein. Les derniers, je les ai pas encore mis sur YouTube. Et si tu veux progresser en japonais et si tu as des questions par rapport au rediff et tout, vu que c'est plus en live, tu peux venir sur le Discord et du coup Purnoob t'a donné le lien dans le chat. N'hésite pas. Hein. Malheureusement, on doit avancer, hein, mais si tu as des questions et si tu veux apprendre le japonais, les replays sont là pour ça. Phrase suivante du coup. Je vous laisse pareil, lire et traduire. Et là, normalement, niveau vocabulaire, vous devriez tout avoir. Au niveau de l'adjectif, quel est le sens de l'adjectif ici? Est-ce qu'il y a des gens qui le savent? J'avoue que la langue française est parfois si compliquée. Ah non, mais oui, il y a des tournures, c'est compliqué. Hein. Merci beaucoup, j'y vais de ce pas. Tontin, est-ce que tu maîtrises les syllabaires ou pas? Est-ce que tu sais écrire les deux syllabaires en japonais? Kirei, c'est pour les objets aussi. Oui, hein, kirei, on peut dire qu'un objet est joli. Et il y a aussi le sens de propre tout le temps dès qu'on parle d'une pièce. Hein, ou d'un endroit, de manière générale. Ah, oh, bien joué, Maïeux. So.
Ah oui, oui, je m'inspire de ma vie hein, pour faire les phrases. Merci beaucoup, SRIX29, pour ton follow. Follow, je t'ai coulé, arigato gozaimasu sur notre channel Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Alors, les deux syllabaires en japonais. Alors, dans ce cas, je te donne ce petit lien en plus. J'ai écrit un manuel qui permet justement de comprendre de quoi il s'agit et de savoir les apprendre. Donc, si ça t'intéresse de savoir écrire et lire en japonais, il faut que tu apprennes, que tu commences ton apprentissage par les hiragana et les katakana. Mais si tu viens sur le Discord et que tu as des questions, on y répondra à ce moment-là. En live, c'est pas toujours évident, mais voilà. Okami no Mori. Oh, merci beaucoup pour le follow. Très joli pseudo. Comment vas-tu? Sur notre chaîne, Yokoso Dessiné. Bienvenue sur la chaîne. Et oui, du coup, vous avez plus tous donné de bonnes réponses, hein. Kyowa amari atsukunai desu. En tout cas, c'est agréable d'avoir des exemples de phrases avec ces adverbes. Ça aide beaucoup à se redessiner. Bah, je suis contente alors, Grim, que ça puisse aider. Kyowa amari atsukunai desu. Du coup, Okami no Mori et SRIX, comment vous avez trouvé la chaîne et d'où venez-vous? J'aime bien savoir, moi. Oui, Kyo, hein, c'est aujourd'hui. Kyo Amalia Tsukunaides. Il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Donc, moi, j'habite dans le nord. Donc, de toute façon, j'ai vu à la météo qu'il y avait une vague de froid dans toute la France. Donc, pour tout le monde, il faisait pas chaud. Sauf ceux qui sont bien confortablement chez eux, avec un chauffage, une petite plaid, petit chocolat chaud et Netflix, toi-même, tu sais. Kyo Amalia Tsukunaides. Aujourd'hui, il ne faisait pas très bon. Et donc là, pareil, petite question, comment vous me diriez hier? Donc hier, est-ce que vous savez comment on le dit dans le chat? Hier, il ne faisait pas très chaud. Donc utilisez du passé. Et Ishtari, très bien, hier c'est Kino. Kino. Et si on n'aime pas le chocolat chaud, alors soit un petit thé, un petit café. Voilà, c'est au choix. Son Kino, c'est hier. Donc, comment vous me diriez hier, il ne faisait pas très chaud. Hier, il ne faisait pas très chaud. Oh, bien joué, Ishtari. Alors là, ta phrase est en forme neutre. Donc, est-ce que tu pourrais me la faire aussi en forme polie? Hier, il ne faisait pas très chaud en forme polie. J'accepte les deux, hein, évidemment, tant qu'il n'y a pas de faute, mais... Oh, bien joué, Anto. Et Ishtari, du coup, très bien. Très, très bien. So. Kino wa amari atsukunakatta desu. Kyowa Amali Atsukunakatades. Hier, il ne faisait pas très chaud. Très très bien. Kinowa Amali Atsukunaides. Alors attention, Barmak, du coup, Kino, c'est du passé. Donc tu dois mettre ton adjectif et à la négation pour Amali et au passé pour Kino. Donc, Atsukunakatades. Je me promène sur Twitch et je suis tombée sur ta chaîne et je commence à peine à apprendre le japonais. Du coup, je suis perdue. Alors oui, Okami no Mori, du coup, je répète pour ceux qui sont nouveaux. Hein, je vous conseille premièrement de venir sur le Discord. C'est l'endroit où vous pourrez le plus rapidement, je pense, progresser parce que on est tous, même moi en tant que professeur, j'apprends pas mal de choses sur ce Discord. On est là pour tous s'entraider. Donc si vous avez des questions et tout, c'est le meilleur endroit. Ensuite, si vous venez de débarquer et que vous ne connaissez rien du tout, la première chose, c'est la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, vous avez toutes les rediffusions des cours qui ont été faits sur cette chaîne, sachant qu'on a commencé du début. Début, c'est-à-dire les kanas. Et que pour ceux qui veulent un complément comment dire, de l'apprentissage des kanas, j'ai écrit un manuel qui, justement, permet à lui seul de vous apprendre ce que sont les kanas, comment les apprendre, les mémoriser avec du vocabulaire, voilà, le tout de manière très ludique et colorée. Pour tout, il y a pas mal de personnes dans le chat qui l'ont acheté et qui, je pense, vous en diront du bien, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, n'hésitez pas pour tous les nouveaux, si vous ne connaissez pas encore l'écriture des syllabaires et la lecture, je vous le conseille, ça permet d'un côté de supporter la chaîne, voilà, de voilà.
Et du coup, oui, Cyrus, si tu connais déjà tes kanas, tu peux commencer juste à partir de la grammaire. Et les cours de kanji et d'exercice, on a commencé ça la semaine dernière, donc tu n'auras pas trop de mal à rattraper normalement. Et dans tous les cas, il y a aussi la rediff, donc ça ne devrait pas poser de problème à toi. Et donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent, en tout cas. Notamment à Cyrus. Merci Rachel, à ta santé. Et j'en reviens pas, on est presque 60 personnes aujourd'hui, c'est extraordinaire. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais 20 personnes de plus que d'habitude, c'est énorme pour moi. Du coup, je suis très contente que les cours plaisent. Voilà. Phrase suivante. Et donc là, on va voir l'utilisation de zenzen. Pas du tout. L'adjectif ici, est-ce que vous le connaissez? Qui le connaît dans le chat? Ah, bon appétit pur noob. So, yasashi, qui veut dire gentil. Santa FR, moi, mais je triche. Mais pourquoi tu triches? T'as le droit, tant que tu le connais. Melishi, des gros alus. Dorian, des gros alus. Oh, bien joué, S-Dream, quelle rapidité. Bientôt partenaire? Non, pas bientôt partenaire. Pour être partenaire, je crois qu'il faut avoir une moyenne de 100 spectateurs. C'est beaucoup, hein, 100 spectateurs tout le temps. En plus, je fais du gaming et quand c'est le gaming, évidemment, il y a moins de monde hein, vu que la chaîne est dédiée aux cours de japonais. Mais partenaire, pas maintenant, malheureusement. Yes, enfin un kanji que je connais. Ah, c'est 75, sérieux? Ah, donc en fait, c'est quand même accessible. Ah! Oh, bah écoutez, du coup, les gens, n'hésitez pas à parler de la chaîne Twitch autour de vous. Ah, c'est bien 100, hein! Ah, oh, vous m'avez fait un faux espoir, j'étais en mode. Ah, 75, alors du coup, ça passe, il y a moyen et tout. Et oui, petit à petit, la salle de classe s'agrandit, soit dessinée. Du coup, pour cette phrase. Ah, d'accord, Mayu. Naruhodo, naruhodo. Bah, de toute façon, le jour où je débloque le partenariat, je ne le fais pas tout de suite, j'attends. Je prends pas le risque qu'ils me disent non. Oh, bien joué. So, so, so. Ano hito wa zenzen yasashiku arimasen deshita. Ano hito wa zenzen yasashiku arimasen deshita. Cette personne, il n'y a pas de S, punaise, pourquoi je fais des fautes, mais c'est pas grave. Cette personne n'était pas du tout gentille. Cette personne n'était pas du tout gentille. Ano hito wa, en ce qui concerne cette personne, zen zen, pas du tout. Yasashiku arimasen deshita. Donc, on est sûr du passé négatif. N'était pas gentil. Et ouais, la faute, elle est là. Mais comme moi, je dis, tant que c'est moi qui la vois, ça compte pas. Ah, mais pourquoi Mayu? Non, hein! Jamais! Mayu wa yasashi sugiru hito desu yo! Totemo yasashi hito desu yo! Mais j'ai plus de bits! Zanen desu! Moi aussi, il faut que je renfloue les bits, j'en ai plus non plus. Je crois que j'en ai plus que 20, il faut que j'investisse. Mais non, je suis trop taquin! Ya daijoubu desu yo, daijoubu. Donc voilà, ano hito wa zenzen, pas du tout, et yasashiku arimasen deshita, la forme passée et négative de yasashi qui veut dire gentil. Donc comment vous diriez, je sais pas moi, elle était très gentille, elle était très gentille. Avec tous les maillots dans ta tête. Sans dessiner. Comment vous me diriez du coup, elle était très gentille. On va utiliser Yasashi. Hein. Elle était très gentille. Ano kanojo wa... Attention, Tartil. Adjectif en I, hein, Yasashi. Donc on peut pas dire deshita. Oh, bien joué, Mayu. Ah, Ishtari, même faute. Attention, hein, faites attention les gens. Un adjectif en I,
on peut pas mettre les conjugaisons de des. Le i va varier en kata des. Kata des. Ano hito wa totemo yasashi kata des. Très bien, Santa. Alors, ano hito wa totemo yasashi des, ça veut dire cette personne est gentille, hein, c'est bon. Mais moi, j'avais demandé du passé. Elle était très gentille. Totemo yasashi kata des. C'est ça, Mayu. So. Exactement. Dernière phrase pour Zenzen, du coup. Donc là, je pense... Alors, l'adjectif, est-ce qu'il y en a dans le chat qui le connaissent ici, l'adjectif? Shitemasuka. Est-ce que vous connaissez? Ah, Barmok, c'est presque parfait. Fais juste attention. Kata, il y a un petit soin. Kata des. Alors, l'adjectif, c'est amai. Amai. Et donc, amai, ici, dans ce contexte, ce sera sucré. Très bien, Barmok. So. Sucré. Amai. Et donc, pareil, je vous laisse lire la phrase, essayer de la traduire. So desne destiny, très bien. Oh, bien joué, Sdream. Mayeux, pareil, très très bien. So desne. Kono kudamono wa zenzen. Oh, pardon. Kono kudamono wa. Zenzen amaku arimasen. Amaku nai desu. Amaku arimasen. Kono kudamono wa zenzen amaku arimasen. Ce fruit n'est pas du tout sucré. Kudamono, c'est les fruits. Hein. Kudamono. Ce fruit n'est pas du tout sucré. Kono kudamono wa zenzen amaku arimasen. Très bien, tout le monde. Est-ce que ça va pour le moment? Daijoubu desu ka? Donc, si je récapitule, hein, totemo, ça veut dire très, et on l'utilise avec, donc devant des adjectifs, hein, avec une forme affirmative. Ensuite, on a amali, plus forme négative. Sensei qui est en train de décéder de fatigue en live. Ganbarimasu, je vais y arriver, vous inquiétez pas. amali, plus une forme négative de l'adjectif, qui va voudra dire du coup très peu. Peu, je mets le dos droit. Voilà. Et zenzen, plus une forme négative également, qui voudra dire pas du tout. Ganbare, ganbaro, ganbarimasu yo. Daijoubu desu. Ja, yokatta, yokatta. Ah, boire. Kampai, merci Shania, kampai. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Sinon, on va passer du coup à la deuxième partie qui, pareil, va être assez rapide. Je vais vous donner en fait deux mots interrogatifs qui sont souvent utilisés avec du coup les adjectifs. Du moins, la réponse qui va en sortir sera probablement un adjectif. Donc, du moins, ça pourra être un adjectif. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on peut continuer? Ça va. Minna daijoubu desu ka? Ça devrait aller. Ganbatte, gurim. Donc aujourd'hui, c'est vraiment du vocabulaire. Et Okami, il est en train de mourir. Ça va pour le moment. Un peu de mal avec la négation. Alors ça, Rachel, il faudra faire des tableaux. Il faudra conjuguer encore. Mandai arimasen. Largué, mais je vais me refaire du replay ce soir. Ah oui, nona imidea gambate. Retiens surtout aujourd'hui le vocabulaire, du coup, pas la conjugaison, mais retiens surtout le vocabulaire, d'accord? Donc, mot interrogatif, on va en voir deux. Do, qui veut dire comment, et donna, qui veut dire quelle sorte de. Et donc, en fait, do et donna, ce sont des mots interrogatifs qui font partie aussi des démonstratifs. Vous vous souvenez de la chanson Ko so ado? Ko so ado,
ko so a do. Vous vous souvenez? C'est le do, hein, le do de la dérogation. Et ces deux mots, du coup, font partie des démonstratifs. Donc, ko so a et do avec un long u, enfin un long o, hein, pardon. Et le so, par exemple, c'est celui de so des. So desu ne, bah c'est ce so là. Il vient de là. Il vient de cette va dire chaîne des démonstratifs. Ko, so, a, do. Le ko et le a, on les voit très peu. Par contre, le so, du coup, vu qu'on a l'expression so des, en mode déni, c'est celui qu'on verra le plus avec do, du coup. Mais là, c'est plus à titre indicatif. Hein. Retenez qu'en fait, ça fait partie de démonstratifs. Do, comment, et so, de so, des. Et pour danna, là par contre, on va quand même les utiliser, les autres. Hein. Kanna, tel, genre telle chose. Kanna et sanna, pareil, anna, c'est genre telle chose. Sanna hito, telle personne. Kanna hito, telle personne. Anna hito. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les démonstratifs, la différence, elle est dans le positionnement, entre guillemets. Konna, c'est près de quelque chose, près de moi. Hein. Alors que Sanna, c'est près de la personne à qui je suis en train de parler. Et Anna, c'est quelque chose qui est loin de nous deux. Nous qui sommes en train de parler, c'est loin de nous deux. Donc de cette qualité, de cette sorte que, vous voyez, que nous voyons là-bas. Bon, c'est pas très clair, mais si je vous dis Sanna neko ga kawaii, c'est genre j'aime ce genre de chat. Quand Naneko ga suki desu, j'aime bien ce genre de... c'est ce genre de quelque chose. Cette sorte de. Mais avec les déclinaisons des démonstratifs. Là, on va surtout retenir du coup do et donna hein, pour la leçon d'aujourd'hui. Mais je vous l'ai quand même mis à titre indicatif. Parce que vu qu'on a déjà vu les démonstratifs ensemble, ça peut toujours être utile. Coucou Deku, hello, comment tu vas? Anna, c'est un prénom aussi. Aussi. Enfin voilà. Du coup là comme d'habitude, on va travailler ça à partir d'exemples. Donc je vous laisse lire la phrase. Niveau vocabulaire, normalement vous devriez tout avoir. Et n'oubliez juste pas que do veut dire comment. C'est le mot interrogatif pour dire comment. Bien et toi? Bah écoute, ça va, un peu fatigué, je dois avouer. Mais ça va. Genki desu. Il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui et tout le monde participe. Du coup, je suis contente, ça me donne de l'énergie. Energi moraimasu ne, minna no okage desu. Grâce à tout le monde, je reçois de l'énergie. Sanka suri hito no okage desu. Energi o moraimasu yo. Alors, cette phrase, comment vous me la traduiriez? Oh, bien joué tout le monde! Ezumi Kimi Barmox, très bien. On voit son énergie à Candy. Arigato moraimasu! Morautu des! Moraitu, je sais pas. Soirée dans le sens party, exactement. Party, c'est genre une fête, mais là on peut le dire dans le sens la soirée et la fête, hein. Exactement, Barmox. Exactement. Kino no party wa do deshita ka. Donc là, on revoit plein de petites particules. Hein. Je vous l'avais dit qu'on avait vu il y a quelques cours. Donc, kino no party. No, particule de détermination. La partie de hier. Donc, la fête d'hier. La soirée de hier. D'hier. Hein. Wa, donc on parle de ça. En ce qui concerne la fête, la soirée d'hier, do deshita ka. Do, comment, deshita, c'était, donc être au passé, ka, point d'interrogation. En ce qui concerne la soirée d'hier, c'était comment? Comment était la soirée d'hier? Kino no party wa do deshita ka? Comment a été la soirée d'hier? Comment était la soirée d'hier? Ah, Nonem ki, je l'avais sans la voir. Naruhodo ne, naruhodo. Et donc là, pour y répondre, comment vous me diriez, je ne sais pas si des gens le savent, c'était ennuyeux. Ennuyeux, ouais, c'était ennuyeux. Est-ce que quelqu'un le sait dans le chat, dire c'était ennuyeux?
Kiteru hito imasuka? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'adjectif? Hop, attention, Mayeu. Attention. Tanoshi, c'est un adjectif en i, donc ta conjugaison. Ah, coucou, Inklingad, comment tu vas? Ça va super, et toi? Oh, bien joué, Ishtari. Alors, même remarque, on l'a en forme neutre, très bien, et n'hésite pas à mettre entre parenthèses ta forme polie au cas où. Kino no pa, tu vois, tsumaranakatta des, tsumaranai, tsumaranai, c'est ennuyeux. Tsumaranai des, c'est ennuyeux, tsumaranakatta, c'était ennuyeux, tsumaranakunai, ce n'est pas ennuyeux, tsumaranakunakatta, ce n'était pas ennuyeux. Ça va très bien, Aja. Yokatta des. Et donc, une réponse possible, du coup, je vous laisse, pareil, la lire. Normalement, l'adjectif ici, on l'a vu dans les exercices, donc vous êtes censé le savoir. Est-ce que vous l'avez retenu dans le chat, l'adjectif d'aujourd'hui? Do desu ka? Dab! Dab time des. Dab dab. J'aime bien Ink qui débarque et il s'amuse avec les commandes, c'est trop drôle. Je valide. Et du coup, Mayu, pour revenir à ce que je t'avais dit, hein, Tanoshi janai, c'est pas correct, c'est Tanoshi kunai des. Tanoshi kunai, adjectif en i. Hein. L'arbre blanc. Ah, c'est pas blanc! Presque! Ah, tu es presque Mayu, mais c'est pas blanc. T'as des petits traits sur le côté, du coup, c'est pas l'adjectif. Mais tu peux retenir comme ça par les parties, ouais. Les quatre arbres blancs, imaginons. Oh, so desu ne, Barmok. Kino no pati wa tanoshikatta desu. Tanoshi. Tanoshi, ça veut dire amusant, intéressant, agréable, plein de traductions. En gros, c'était un bon moment. Donc, kino no pati wa tanoshikatta desu. La soirée d'hier était amusante, par exemple. C'est les branches de l'arbre, tellement il s'amuse. J'adore. La concentration s'est volatilisée. C'est bon, on a bientôt fini. Tadaima, okaeli. Okaeli, pur noob. Donc voilà. Kino no pa, tu vois, tanoshikatta desu. La soirée d'hier était amusante. Et donc là, vous voyez typiquement, comment était une chose? Bah, vous pourrez répondre par un adjectif. Par exemple, comment était le chat? Bah, il était blanc. Neko wa do deshita ka? Neko wa shirokatta desu. Bon, je dis un peu n'importe quoi, hein, mais... Do, en fonction du thème, vous pouvez... c'est de la description, hein, donc décrire avec un adjectif, c'est là, très 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 probable. Tanoshi, like, un moment we fall guys, c'est exactement ça. Il faut mettre l'ambiance. Ouh, ouh. Dixit, la preuve crevée. Ouh, ouh. Donc voilà, pour l'un des mots... Pump it up. Exactement. Voilà pour le premier mot interrogatif. Et le deuxième, du coup... Alors, Donna, je ne l'ai pas expliqué, mais il faut toujours le mettre avec un nom. Genre, c'est Donna plus un nom. Donc, là, je vous laisse réfléchir. Comment on lirait et traduirait cette phrase ? Qui est une question, du coup. Ishari, so. So desu ne. Oh, bien joué, Mayu. Oui, tout à fait. France wa danna kuni desu ka? Et donc là, danna plus un nom, ici, c'est kuni, hein, le pays. Danna kuni Deska. Alors, selon vous, Furense wa danna kuni deska, comment vous répondriez à cette question? Furense wa danna kuni deska, qu'est-ce que vous pensez de la France? Traduction sur 20, à chaque fatigué. 20 sur 20, hein, c'est excellent. Je connais Niku, mais pas Kuni. Bah ben voilà, tu sais l'inverse du coup.
Le Joker. Mauvais genre. Ferenzi wa zenzen konfini ku nakata kuni desu yo. J'adore. Ah non. Ah, samui kuni. Alors attention, du coup, save you, ta phrase, elle est... enfin, ton... ce que tu as mis, c'est bon. Mais il faut un i. Ferenzi wa samui kuni desu. Ferenzi wa eti desu. Etina kunides. Et donc là, pour répondre, en fait, il va falloir mettre l'adjectif en forme épithète. Hein. Vous reprenez la phrase de base. Fudensu wa nani nani kunides. Et le, à la place de donna, vous mettez un adjectif en forme épithète pour y répondre. Hein. Donc là, par exemple, on avait samui pour dire que c'est un pays froid. Fudensu wa samui kunides. Ou un pays pervers, du coup. Fudensu wa etina Kunides, bon, ça fait un peu bizarre, hein, mais voilà. Le pays du vin, alors là, du coup, c'est avec un. Une, avec no, hein, la particule de détermination. Donc, Fulensu wa, wine no kunides, et le pays du vin, c'est pas. Du coup, on répond pas. Est-ce qu'on répond à la question? Je pense quand même, hein, mais. Wine no kunides ne. Légende hypnose, merci beaucoup pour ton follow, c'est trop gentil. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. Comment vas-tu? Si tu es encore là. Et donc moi j'ai donné une réponse possible, donc que je vous laisse du coup traduire. Furenzu wa tsumaranai. Ah, attention, il manque un i, mais c'est ça. Furenzu wa tsumaranai kunides. La France est un pays ennuyeux. Ah, du coup, France égale pays du romantique. On pourra dire romantikuna kuni. Furenzu wa romantikuna kuni, adjectif en na. Romantique, romantique. Ah, bah j'aurais pu le mettre dans la liste des katakana, du coup. Les adjectifs en katakana. Et donc là, la phrase que j'ai mise, ça veut dire quoi? J'ai fait mon troll de belge, désolé. Non, mais t'inquiète, de toute façon, même certains français le pensent, moi y compris, comparé au Japon, tu vois. C'est pas folichon, folichon. Bien, et toi? Bah écoute, super. Alors, du coup, légende, question habituelle, d'où viens-tu et comment as-tu trouvé la chaîne? On est curieux ici, du coup, on aime bien demander aux gens. Oshare. Ah, est-ce que vous connaissez Oshare? François. Kanashi kuni desu asu. Somou no ka. Pour ça, il faut, la France est un pays triste. Oshare. Il y en a forcément dans le chat qui connaissent Oshare. Hein. Oshare no nan desu ka. Oshare. Quand on va au chalet. Non, non, non. Oshare na hito. Oshare na Frenchjin to ka. Les Japonais disent souvent ça de nous. Que les Français, on est au chalet. Fenense, j'ai noir, au chalet des. Chic, c'est ça, hein, c'est un synonyme de chic. Au chalet, c'est le fait d'être à la mode, d'être bien habillé, un peu genre le luxe et tout. Au chalet, vraiment petit doigt levé, au chalet. Stylé, c'est ça. Hein. Et non, c'est pas forcément pour les femmes. Hein. Un Français de base peut être au chalet, donc. C'est sûr que les personnes qui, de base, théoriquement parlant, s'intéressent à la mode, c'est les femmes. Mais tout le monde peut être au chalet. Un pays, regarde là, un pays peut être au chalet. Du coup, Furenzu wa oshare na kuni desu. La France est un pays à la mode. Du coup, au chalet, vu que c'est souvent lié au style vestimentaire, là, on peut dire que c'est à la mode. Hein, un pays chic, un pays à la mode, tout à fait. Furenzu wa oshare na kuni desu. Et les Japonais pensent vraiment ça de nous, hein, qu'en tant que Français, on est au chalet. Que la France est au chalet. On est au chalet. Dans les interviews de Japonia, les Japonais disent très souvent ça. Bah voilà. Du coup, Bekassine confirme ce que je viens de dire. C'est l'image qu'on renvoie, du moins c'est l'image que la France renvoie aux Japonais. Parisienne, tout ça, petit béret, petit menton long et tout, petit sac, au salé, les allées des magasins de luxe et tout. Ah mince, j'ai oublié de changer la lecture. Bah j'aurais fait deux fautes, voilà. Ouais, j'ai pas mis la lecture, désolé. Mais c'est pas grave, vous savez tous lire les hiragana, donc vous en avez pas besoin.
フランスは人々がフランス語で話す国です。そうですね。え、じゃあ。Anto, pour ceux qui n'ont pas compris, a dit que bah, la France était un pays où certaines personnes bah, parlaient français. Ça se voit qu'ils vont qu'à Paris. Mais même quand ils vont à Paris, hein, ils ont des désillusions des fois, c'est triste. Hein. Merci beaucoup, Visolini, pour ton follow. Follow shite kunete arigato gozaimasu. Cette faute n'a pas été trouvée par la sensei. Vraie faute, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, excusez-moi, hein, ça fait longtemps que je lis plus les lomadi, moi. Je viens de Paris et tu es dans mes chaînes recommandées. Oh, bah écoute, trop bien. Trop génial. Teb essaie de faire changer les opinions, mais c'est dur tout seul. Allez, les gens mal habillés, tous au Japon. Ah bah oui. Bah non, mais même quand on va au Japon, en général, on s'habille un minimum bien parce qu'on fait des photos et tout, c'est des souvenirs. Donc en général, quand on va au Japon, c'est pas pour se saper comme on est en France. Hein. C'est un peu ça, nègre, c'est ça. Oh, merci beaucoup, Anos, pour ton follow. Je sais pas pourquoi je trouve ça cute, Anos, comme pseudo. Follow してくれてありがとうございます。Notre channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Et je suis déçue, je finis sur une faute. Oh là là, c'est pas possible. Hein. Je ne suis jamais bien habillée. Moi, je suis neutre. Genre, je m'habille pas bien et en même temps, je m'habille pas mal. Genre, un jean, un t-shirt, une petite veste, hop, t'es tranquille, quoi. Enfin, voilà. Du coup, le cours pour aujourd'hui est plus ou moins fini. Est-ce que vous avez des questions? Yo, moi aussi, j'aime mon pseudo. C'est le principal. Comment tu vas, Anos? Genki desu ka? Bah du coup, j'imagine que bah il y avait certaines personnes qui sont peuvent être très bien habillées mais être alcooliques, hein, donc j'imagine que oui. Oh, trop gentil, merci Ishtari. Du coup, bah Visolini, bienvenue à toi et merci à Ishtari de t'avoir recommandé. Et par contre, on aura fait, on est proche des 1003, mais genre très vite je trouve comparé aux autres fois. Ta va vite, dis donc. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez des questions? En attendant de voir des questions pop au cas où, je vais vous faire la visite du coup du Discord comme je vous l'avais promis. Vous montrer un peu toutes les nouveautés et tout et tout. Capture de fenêtre. Hop. Alors, il faut le temps que je règle ça, hein, du coup. Discord, Owadoko. Est-ce que Discord, il y est? Oui, il est là. Hop. Et là, on voit toutes mes notifications. Je ne sais pas si on voit quand même assez bien ou pas. Au pire, je vais peut-être... Attendez, vous savez quoi? Je vais surtout vous... Hop. Ah, bon appétit à toi, Edril. Je vais très bien et toi? Bah écoute, du coup, ça va super. Alors, attendez, que je vous fasse ça pour tous ceux qui viennent d'arriver. Hop. On va faire comme ça. Pour que vous voyez comme vous puissiez voir, pardon. Ah mais punaise, j'arrive pas à faire mes réglages. Voilà. Hop. Voilà. Bon, vous voyez les conversations de tout le monde, du coup. Et je vois que beaucoup de gens sont venus. Donc voilà, quand vous allez être arrivé sur le serveur. Oh, merci beaucoup à la news pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. voilà, donc quand vous êtes arrivé, du coup, vous avez vu le message à l'accueil. Et donc là, bah, c'est pas trop difficile. Il vous suffit juste de lire
donc le règlement, de le valider, d'aller choisir votre rôle et dès que vous avez le temps de vous présenter. Donc le règlement, il se présente ainsi, hein, vous avez des petits émoticônes à valider à chaque fois que vous avez lu. Ça explique grosso modo les règles qu'il y a sur le serveur, les différents salons, les différents rôles, le comportement à avoir pour éviter d'être puni par les modos, parce que bon, ça n'est jamais arrivé pour le moment, mais sait-on jamais. Une fois que vous avez vu le règlement, du coup, vous allez directement en bas dans rôle. Et là, c'est la même chose. On a tout refait le week-end dernier, enfin la semaine dernière. Donc maintenant, c'est très propre. Tout devrait être assez clair. Et donc là, vous choisissez, par exemple, si vous êtes un homme, une femme ou non binaire, votre âge. Vous pouvez régler votre anniversaire, votre pays, vos hobbies, voilà, votre rôle, votre niveau de japonais et les notifications que vous aimeriez avoir. Il y a pas mal de choses. Et grosso modo, quand vous êtes sur le serveur, c'est tout ce que vous avez à faire pour pouvoir être, je vais dire, avoir accès à tout le serveur. Une fois que vous avez accès à tout le serveur, du coup, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de salons. Donc le premier bienvenue, c'est là où on parle de tout et de rien dans accueil. Le tableau d'affichage, du coup, comme c'est noté, c'est là où je mets pas mal d'informations. Donc pour les informations, vous avez tous les réseaux sociaux, par exemple, d'Apprenons le japonais. Il y a le planning aussi. Toutes les semaines, je mets un planning, du coup. Hop, je vais rétrécir un petit peu. Hop. Attendez, hein, le temps de faire les réglages. Voilà, je mets tous les plannings et tout. Donc là, vous pouvez voir que le planning, on a le cours de grammaire aujourd'hui. Demain, c'est du Fall Guys. C'est Kanji mercredi, etc. etc. Là, c'est pour vous expliquer le bot anniversaire. Les annonces, j'en fais assez souvent. Des fois, c'est au minimum une par jour pour diverses choses, soit des activités sur le serveur, soit les live Twitch. Donc voilà, c'est un peu, il y a de tout et n'importe quoi. Ensuite, on a une nouvelle catégorie, c'est pour faire des pubs. Pour ceux qui ont des serveurs Discord, des réseaux sociaux, vous pouvez faire des pubs et des partenariats avec le serveur et tout. Bon voilà, ça c'est nouveau. Et ensuite, vous avez du coup tout un salon discussion qui n'est pas forcément lié à l'apprentissage du japonais, mais plus à tous les hobbies que vous pouvez avoir en général, hein, les films, les animés, des trucs, des choses, humour, voilà, vous avez un peu de tout pour papoter. Et enfin, le plus intéressant pour apprendre le japonais, c'est la catégorie du coup salle de classe, hein. Et vous avez des channels pour à peu près toutes les matières existantes quand on apprend le japonais. La prononciation, les kanas, l'écriture, le vocabulaire, la grammaire et tout. Si vous voulez poser des questions pour qu'on vous aide et tout, nanana. Vous avez aussi du coup les fameux bots. Et donc là, je vais vous expliquer parce que je pense que c'est ce qui va intéresser le plus de monde. Donc on a un bot qui s'appelle Kotoba, qui permet justement d'apprendre le japonais. Donc notamment savoir lire les hiragana et les katakana. Et apprendre le vocabulaire et les kanji, pour les quiz en tout cas. Et pour le faire, en fait, il vous suffit juste de commander de copier-coller les bots, enfin les commandes, d'aller dans le salon adéquat, donc là c'est par exemple Hiragana Quiz, et de copier-coller la commande. Hop. Et une fois que c'est fait, bah, vous allez avoir justement des quiz comme ici. Où vous allez avoir un certain temps de réponse, vous allez taper la lecture et vous allez avoir des points. Et en fait, ça va vous entraîner assez ludiquement à apprendre finalement les kana, hein, les hiragana, les katakana. Et du coup, vous avez exactement la même chose pour les kanji, hein, avec tous les niveaux différents. Vous pouvez même faire des modes de conquest justement où vous avez, imaginons le deck des hiragana, c'est 200 cartes. Et ben vous allez pouvoir lancer un mode de 200 cartes et l'arrêter, le sauvegarder, puis le reprendre pour faire tout le deck au complet. Et oui, comme Mayo dit, pensez à lire les procédures avant de faire la pub. Tout est bien expliqué, donc voilà. Oui, il y a un autre, il y a un autre qui va spammer. Et si on a envie d'être puni, du coup, lesson, arigato, et de rien pour la leçon. Je redouble. Et du coup, oui, donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord, on est des gentils, on est des gentils, et après là, c'est le salon pour les lives, hein. Ça pour l'instant, ça ne vous concerne pas, tant que vous ne passez pas à l'oral, c'est surtout si les élèves passent à l'oral où vous pourrez profiter de ces salons-là, avec les clips que l'on aime bien
sur la chaîne et tout, de notre cher Mayeux en général. Voilà. Donc voilà pour la présentation du Discord. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Le mieux, c'est de venir sur place, de faire votre petit tour, de regarder tout ça. Et si vous avez des questions, soit me ping moi, soit de ping les senpai pour qu'on puisse venir vous aider. Ça c'est le mieux à faire. Voilà, voilà. Ça va tout le monde ? Daijoubu desu ka ? Tu pourras passer si tu veux. Mais pas aujourd'hui. Positive vibe only. Oui ! On est tous des gentils. On est là pour apprendre. On est là pour s'entraider. Donc, si vous voulez venir apprendre dans la bonne humeur, j'ai envie de dire, c'est un peu le savoir qu'il vous faut. Donc, voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas à inviter des gens aussi. N'hésitez pas à parler de la chaîne. Vraiment, c'est bouche à oreille qui fait fonctionner tout ça et qui fait que bah, la chaîne évolue, hein. Même le Discord, hein, si on n'avait pas été autant, il n'aurait pas évolué comme ça. Et donc, pour ceux qui arrivent, c'est en mode « Ah, oh, trop bien !» et tout. Mais pour ceux qui étaient là avant et qui voient le changement, je pense que vous voyez un peu la différence de level. Et j'ai mis du mien. J'ai mis du mien. Pendant plus de 2 jours, j'ai fait ça non-stop. Et je suis contente du résultat, donc voilà. Choquée, déçue. Tu passeras en exercice si tu veux. Sinon... Qui est-ce qu'on raid aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens à raid? Je vais regarder de mon côté, il y a qui? Il y a Am Korean. Mais on l'a raid la dernière fois. Ah, c'est Rousson. Ouais. Bon, il y a Am Korean. Je vais déjà regarder qui de mon côté il y a. C'était peut-être plus calme sur le Discord avant que je spamme partout. Non, t'inquiète pas, Anto. Je suis un peu un boomer avec Discord, du coup j'ai du mal à l'utiliser, donc j'y participe pas beaucoup, mais je vais essayer. Bah, Barmok, si vraiment un jour tu vois que tu veux faire un truc, tu vois les gens le faire, mais tu sais pas comment le faire, juste tu me ping, tu me fais un orobas candy, tu vas avoir mon nom qui va apparaître, tu cliques dessus, et moi je l'explique, hein, je me mets en vocal s'il faut, y a pas de soucis. Hein. Je suis, en plus, tous les jours, je me connecte sur le serveur pour voir ce qui se passe et tout, pour dire coucou. Donc voilà, juste, n'hésite pas. N'hésite pas. Pure noob, faut être en live pour raid. bah, du coup, je pense qu'on va raid I'm Korean, hein, vu que le fantôme a fait la recommandation. Alors justement Barmok, il y a beaucoup d'informations, mais normalement le serveur maintenant est beaucoup plus clair, beaucoup plus épuré, avec plus de japonais pour ceux qui sont débutants et tout, ça devrait être beaucoup plus accessible maintenant, donc mets-toi sur PC. Regarde tout ça, il n'y a pas beaucoup de gros pavés en général, les noms sont assez explicites, et voilà. Ah ouais, on a perdu un follow, mais pourquoi? Bon, c'est pas grave. Hein. Mais Japan Kank, il est pas en live. Non, c'est bien ce qu'il me semblait. Japan Kanke n'est pas en live. Donc je peux pas faire... Oh, et un. Enfin, voilà. Théoriquement, le fantôme live ce soir. Et il lui reste combien de follow avant d'être affilié? 4 follow. Je sais pas si... Non, il est pas encore en live. Donc voilà, ce soir, n'hésitez pas à aller le voir. Il va live après manger. Donc bon, voilà. Ça lui ferait plaisir. Je mettrai une petite notif sur le Discord pour ceux qui veulent. C'est sur du Fall Guys. Si je suis pas trop crevée, bon, ça sent un peu mauvais. Mais je viendrai peut-être jouer et peut-être live. Mais c'est pas sûr parce que là, la fatigue, elle est un peu là. Mais voilà, ce soir, le fantôme live. Donc n'hésitez pas, je lui fais un peu sa pub. Et sur ce, bah, je vous fais tous des gros bisous. Merci à tous ceux qui ont participé au cours. On était beaucoup aujourd'hui, c'était cool. Et voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Si on ne se voit pas tout à l'heure, je vous dis à demain.
Et puis voilà. Bye bye. Des bisouilles, comme dire pire de. Bonne soirée à tout le monde, bon appétit, et puis révisez bien votre japonais. Révisez bien. Bye bye. Otsukaresama desu.